Bonjour. C'est Solidaires d'abord. En ce lendemain de 1er mai, fête internationale des travailleurs en lutte, et non du travail, comme le disaient les vichistes, pour en détourner le sens. Pareil que ce que l'on a fait avec le 8 mars, on appelle ça la fête de la femme, alors que c'est un jour international de lutte des femmes pour leurs droits, pour une égalité. Dans ce moment confiné, où la lutte n'a pu s'exprimer dans la rue, où Macron nous a parlé de chamailleurs du 1er mai, dans le même souci de dénaturer une vraie lutte en y attribuant un vocabulaire qui ferait penser à des chicaneries, je me dois de rappeler que Solidaires d'abord existe depuis 15 ans. Issu d'un collectif, Agis 07, au départ en lutte contre le traité constitutionnel européen, d'où nous vient beaucoup de problèmes, c'est un outil pour résister à la guerre libérale. Quand Macron, lui, parle de faire la guerre au virus, on ne sait pas vraiment à qui fait la guerre d'ailleurs. Hein. Dans cette émission, Jean-Louis nous rappellera que le Covid n'est pas le seul problème engendré par cette mondialisation libérale, toutes frontières ouvertes, pour mieux mettre en concurrence les ouvriers. Il y a eu un super film documentaire sur Arte, le 28-4, Le monde des ouvriers, en 4 volets. Vous pouvez peut-être encore le télécharger, faut se dépêcher. Dans le premier volet, on peut constater au passage que historiquement, la différence entre esclaves et ouvriers en 1800 était vraiment très très faible. Et l'on sent bien que la casse systématique de tous les garde-fous que les luttes ont réussi à mettre en place, attaque menée par l'économie libérale, pourrait à nouveau remettre en cause le statut des gens du peuple. Jean-Claude, lui, va nous parler des apprentis sorciers que cette économie laisse libre d'agir sans vrai compte à rendre, en fait, en tout cas, pas à la majorité des gens. Ce système montre ses faiblesses à tous les étages. Mais d'abord, Marie-Claude et Denis vont nous remettre dans le contexte des luttes menées depuis un an et demi par les Gilets jaunes. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une chanson. Souvenez-vous de nos chants quand on battait le pavé au son des percussions, et de ce tambour qui nous accompagnait. Souvenez-vous de ces manifs. Contre les violences policières. Contre tous les féminicides. Contre la réforme des retraites. Contre la loi Blanquer pour l'enseignement. Contre la casse de l'hôpital. Contre la casse de la sécu. Souvenez-vous de nos manifs nocturnes au flambeau, et cette chanson qui revenait dans tous nos rassemblements et qui résonne encore dans nos têtes. On est là. On est là, même si Macron le veut pas, nous on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, nous on est là. On est là. Macron ne le voulait pas que l'on soit là. Dans les rues et sur les ronds-points, avec tout ce déferlement de violence que les manifestants ont subi pendant le 17 novembre 2018. Toutes ces personnes mises en garde à vue. Toutes ces personnes qui ont fini à l'hôpital blessées. Toutes ces personnes éborgnées, mutilées. Un grand merci au strict médic qui assurait les premiers soins au milieu des gaz lacrymogènes. Pendant 18 mois, des organisations, des scientifiques, des médecins ont dénoncé les moyens de répression, que ce soit LBD, grenades de défense ou gaz lacrymogènes, pour leur dangerosité. Macron est resté sourd à toutes ses recommandations. Par contre, pour le Covid-19, il a bien su nous rabâcher qu'il s'appuyait sur un comité scientifique. Comme quoi, il est peut-être sourd de l'oreille gauche, mais pas de l'oreille droite. Et l'honneur des travailleurs. Certes, maintenant que le gouvernement a besoin d'eux, il les héroïse et leur trouve plein de qualités et de bravoure. Et pourtant, rappelez-vous, il y a quelques mois encore, il est traité de rien, de gueux. Ils étaient bafoués, piétinés, nassés, gazés, martyrisés. Bienvenue dans le monde réel, avec les vrais premiers de cordée, loin d'être bien rémunérés. Je pense aux grands oubliés de la France d'en bas, soignants,
caissières, éboueurs, livreurs, ouvriers, paysans, enfin tous ceux qui font la force d'un pays. Et quand on est au monde meilleur, parlons-en. Dans quel monde Macron veut ou voulait nous amener avec toutes ces réformes? Casse de la santé avec la loi santé 2022. Casse des indemnités chômage. Casse de la CAF avec la baisse des APL. Casse de la Sécu avec son appauvrissement. Casse des retraites d'aujourd'hui et de demain. Casse du mouvement social et des syndicats. On peut aussi citer la baisse du livret A à son prix plancher de 0,5%. On est là. Et nous serons là au moment du déconfinement. Macron peut nous faire confiance, nous serons là. Nous serons là encore plus forts qu'avant pour défendre nos droits, le retour de l'ISF, la suppression du CICE et de la flat tax. Il n'est pas étonnant que Macron ait pris seul la décision du déconfinement le 11 mai, sans avertir ses collaborateurs. Souvenez-vous, pour Notre-Dame de Paris, il a décidé que dans 5 ans, la cathédrale serait reconstruite sans consulter ceux qui en ont la charge. Et si les stocks de matériel de santé étaient au minimum, on ne va pas en dire autant de tout l'arsenal de répression utilisé pendant 18 mois sur les manifestations et qui n'a jamais fait défaut. Que penser de tout ce manque de protection pour l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient en première ligne ou pas? Avec l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a eu les coudées franches pour passer les ordonnances à sa guise et tout de suite. Allongement possible de la durée hebdomadaire des heures de travail. Et aussi un grignotage possible sur les RTT et les congés payés par les entreprises. Dans sa vidéo « Les vieux sacrifiés » parue dans Le Média, Denis Roubert nous parle de ce décret numéro 360 du 28 mars 2020, publié au journal officiel du 29 mars. Il permet de délivrer du Rivotril, qui est à la base un antiépileptique et qui sert de sédation dans les EHPAD sans consultation de la famille, ni du collège de médecins qui doit faire au chorus. Derrière tout ça se cache l'euthanasie de nos anciens fragilisés par leur pathologie. Que de drames personnels difficiles à effacer de nos mémoires. Denis Roubert nous parle aussi d'un autre décret, du 2 avril 2020, venant du Premier ministre. À cause de la pénurie de médicaments, il autorise l'utilisation de produits à usage vétérinaire. Plusieurs scientifiques se posent la question sur le post-Covid pour les personnes qui ont été atteintes et les séquelles qu'on va avoir par la suite. Plus de 27 professionnels de santé ont perdu la vie. Combien vont faire de burn-out? Combien vont faire de dépression après ce qu'ils ont vu ou vécu? Combien ont eu des soucis dans leur vie quotidienne? Combien de sacrifices ont-ils dû faire pour protéger leur famille ou à cause d'un environnement parfois hostile? On n'oubliera pas. Ni amnésie. Ni amnistie. Alors merci à Marie-Claude et Denis pour ce récapitulatif édifiant. Mais voici que Jean-Claude nous parle des docteurs Follamour du monde moderne. Autrefois, Follamour jouait avec les bombes atomiques. À notre époque, peut-être qu'il jouerait avec des pipettes. La polémique enfle entre la Chine et les USA sur l'origine du virus du Covid-19. Il y a même une controverse scientifique après les propos de Luc Montagnier sur l'origine artificielle du virus. C'est inquiétant. J'ai donc cherché à y voir plus clair. Mais la génétique, la biologie moléculaire, c'est pas clair du tout. On a tous entendu parler d'OGM, de thérapie génique, de génome, et même dans l'actualité, des tests PCR, qu'on n'avait pas par ailleurs. PCR, en fait, c'est une méthode du génie génétique pour analyser un échantillon. On a maintenant des méthodes d'édition du génome, appelées CRISPR-Cas9, 9 le nombre, qui permettent de modifier des gènes assez facilement. Du coup, la curiosité scientifique peut rendre parfois les savants fous. Ainsi, le néerlandais Ron Fouchier a transformé un virus grippal H5N1 très dangereux mais peu contagieux en un mutant contagieux. Le chinois Yi Yankui a créé 2 jumelles humaines OGM, Lulu et Nana. Rassurez-vous, il a pris 3 ans de prison.
Il a pris 3 ans. Peut-être que cela dépend de dans quel pays. Mais est-ce que c'est ça qui pourrait arrêter une recherche libérale débridée? Où sont les garde-fous? Notre savant, fou peut-être, va nous intéresser. Ralph Baric, du labo de l'Université de Caroline du Sud à Chapel Hill, travaille sur la synthèse de virus in vitro à partir de leur code ADN ou ARN. Il existe, même aux États-Unis, des entreprises IDT, Twist, Bioscience, Atom, qui commercialisent le matériel et les molécules nécessaires à cet usage. En décembre 2015, il a synthétisé ainsi à partir d'un génome de coronavirus de chauve-souris modifié, un virus chimère proche du SARS de l'épidémie de 2003, et aussi dangereux. Il y avait dans son équipe 2 Chinois du labo de Wuhan, dont la Chinoise Xi Chengli, qui avait déjà décrit en 2013 un coronavirus de la chauve-souris RATG13 proche du SARS de 2003. C'est Xi Chengli qui va décrire en 2020 le génome du virus actuel du Covid-19 et montrer qu'il est très proche de celui de la chauve-souris RATG13 à 96%, mais plus actif sur les cellules pulmonaires humaines. D'autres études montrent que la séquence du virus du Covid codant son entrée dans les cellules pulmonaires est presque identique chez des virus du pangolin. La question qu'on peut alors se poser est la suivante. Le virus du Covid-19 est-il un virus de synthèse construit à partir du coronavirus du pangolin et celui de la chauve-souris RATG13 en collaboration avec les labos de Wuhan et de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill? Le professeur émérite Hervé Fleury, virologue, cofondateur du laboratoire de virologie du CHU de Bordeaux, se pose la même question dans un entretien à la revue Curieux. Rien ne peut exclure un accident à partir du laboratoire de Wuhan, tout comme il aurait pu aussi avoir lieu à Chapel Hill, pense le professeur Fleury. C'est une hypothèse qui devient de plus en plus sérieuse. Ce n'est pas de la folie. Avant d'ajouter, cela ne résout pas le problème, mais il va falloir mener une enquête internationale. Voilà, ce n'est pas du complotisme, mais c'est une question quand même qu'on doit se poser, donc ça c'est moi qui le dis. En même temps, la réponse à cette question, est-ce qu'on doit la donner? Parce que les enjeux en termes de conjoncture internationale, de géopolitique, imaginez qu'on dise « c'est la Chine qui a fabriqué ce virus pour faire une épidémie » ou l'inverse, qu'on dise « ce sont les États-Unis qui ont fabriqué ce virus pour aller ruiner la Chine ». Vous voyez la situation internationale, ce qu'elle deviendrait? Voilà. Bon, on va pas complètement broyer du noir aujourd'hui, mais en tout cas, il faut bien prendre la mesure du phénomène et il faudra bien se préoccuper assez vite de comment encadrer ces recherches. Alors merci Jean-Claude pour cette chronique très documentée. Et Jean-Louis, aujourd'hui, nous parle du grand danger du réchauffement qui lui aussi ne dérange pas l'économie libérale. On la sait capable de l'utiliser pour générer des profits et non lutter contre pour la santé de tous. Bonjour Jean-Louis. Alors aujourd'hui, sur Solidaire d'abord, tu voulais nous parler de quelque chose que tu juges très grave et qui n'est pas pris en considération. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, je sais bien que le Covid, c'est grave. Les gens ne parlent que du Covid. Mais c'est peut-être pas le plus grave pour l'avenir. Bien sûr, les gens se sentent menacés par ça. C'est explicable. Mais une menace plus lourde et plus inéluctable est toujours présente. C'est le réchauffement climatique, dont on ne parle pratiquement plus. Et ses conséquences.
Bien sûr, les effets sont pour l'instant moins évidents que les morts du Covid. Mais on sait maintenant que tout cela est lié. L'expansion du Covid est liée au réchauffement, sa naissance aussi. Néanmoins, les activités sont maintenant à l'arrêt. Ne serait-ce pas l'occasion de repenser le fonctionnement de notre société ? Au lieu de viser une relance à l'identique qui ne pourra nous mener qu'à la cata, on le sait maintenant. Je pense par exemple à moins d'avions, moins de dépenses d'énergie, moins de rapidité de notre société, ralentir le fonctionnement et parallèlement le gaspillage aussi. Bien sûr, c'est une révolution qu'il faut envisager, une modif totale du travail et de l'emploi, pour éviter, ultérieurement, un chômage massif et brutal. Repenser les activités en fonction de leur utilité pour l'humain. Bon, il y a un chantier évident maintenant, évidemment. C'est tout ce qui est l'aide à la personne, le soin, la vie sociale, le bien-être de tous. Là, il y a un chantier formidable. Il faudrait mettre en œuvre. Alors, c'est l'utopie, bien sûr. Et alors, les bénéficiaires de la vie d'avant vont tout faire pour bloquer une telle évolution, qui est révolutionnaire. Les grands groupes fourbissent déjà leur résistance. On a entendu le gars du MEDEF, on a vu entendu ça. Il faut relancer l'économie, il faut relancer l'aviation, il faut relancer... Attends, on arrive à quoi ? Et relancer le tourisme. Alors j'ai un exemple intéressant, c'est qu'il y a peut-être 2 mois, les chantiers de Saint-Nazaire ont reçu la commande de 2 paquebots, énormes paquebots, 7000 places chacun, 7000 gens à promener dans les mers. Alors il faut pas oublier que ces paquebots fonctionnent au fioul et au fioul lourd en plus pour diminuer les coûts, etc. Fioul lourd, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de pollution. Hein. Plus de pollution, oui, plus de pollution, le fioul lourd. Ouais. Ouais, ouais. Donc évidemment, on pense les chantiers de Saint-Nazaire vont avoir 2 ans ou 3 ans de boulot avec ça. Et alors, je veux dire, il faut se poser quand même des questions, même par rapport à ça. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir ces paquebots pour charger des milliers de personnes et les promener sur les mers pour le tourisme, etc. Je crois que c'est ces fonctions, ces motivations fondamentales qu'il faut repenser et re-questionner, même par rapport à l'emploi. Oui, parce que, il semblerait en tout cas que ce que nous dit le gouvernement à l'heure actuelle, ce que nous disent tous les gouvernements de tous les pays du monde en ce moment, c'est qui c'est qui va pouvoir redémarrer le premier, son économie, pour pas être en retard et pour prendre les places de marché qui sont à prendre. Exactement. Ils en sont tous là. Mmh. Et tous les gens, soi-disant, c'est le bon sens pour reprendre dit Marine Le Pen, parce que elle, c'est toujours le bon sens qu'elle met en avant. Or, ce bon sens, est-ce qu'il n'est pas... Il est pas mal placé. Pas mal placé. Pas mal placé, c'est ça. C'est ça qui est... Évidemment, c'est les gens de Saint-Nazaire, les ouvriers qui sont là, ils sont plusieurs milliers quand même, c'est un grand chantier. Ils ont sauté en l'air quand ils ont... Formidable, etc. Est-ce que c'est la bonne solution ? Même pour les chantiers navals. Je ne fais pas confiance à Macron et à ses sbires pour dire il faut orienter, par exemple, l'histoire des paquebots. Et faire des paquebots qui se déplacent autrement. Il y a des paquebots à voile, par exemple, qu'avaient imaginé Cousteau et compagnie. Avec peut-être moins de 7000 locataires qui payent leur message. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser, sur cet exemple précis, à ça ? Plutôt que de dire 7000 fois 2, d'ailleurs, il y avait 2 paquebots, c'est formidable. Mais non, c'est pareil pour les vols. Tu as plein de gens maintenant qui n'envisagent pas de faire autrement que de prendre un vol de Grenoble à Pau, de Paris à Pau, etc. Il y a quelque chose qui va pas. Nous, ça fait longtemps qu'on s'interdit, c'est notre truc, de prendre la bagnole pour faire 600 km et aller voir la belle-sœur à Pau. C'est ça, dans l'air du temps qu'il y a dans le crâne des gens, tu vois. Donc tu fais comment ? Tu vas en train ? En train, oui. Ouais. Ça fera la 4e année. Ouais. Alors évidemment, je sais bien que pour l'instant, la SNCF ne tient pas ses promesses.
quand tu vas à Pau depuis ici, normalement tu arrives, ça dépend des horaires évidemment, mais tu arrives vers fin d'après-midi. On n'est jamais arrivé fin d'après-midi. La première fois, au lieu d'arriver fin d'après-midi, on est arrivé à Pau par un car, etc. Bon, hein. On est arrivé à 8h ou 10h du soir. Il n'y avait personne à la gare pour prendre une bagnole, un taxi, quoi, tu vois, pour se trimballer jusqu'à... Bien sûr, ça pose le problème des services publics aussi, là. Il y a actuellement un gros problème par rapport à la santé, ça c'est nul, un chantier formidable. Formidable, je ne sais pas où il va aboutir, d'ailleurs, on va voir. Même pour les services publics, pour les trains. La priorité a été donnée au TGV, si bien que si on va à Pau cet été, je vais essayer de passer par le sud de Paris en TGV. Comment, quand tu arrives avec 5 à 8 heures de retard, tu vois, les gens de SNCF, les salariés, tu peux discuter avec eux. Et oui, mais là, vous voyez, on peut plus rouler à 120 parce que la chaussée, les rails ont été renouvelés, ça n'a pas été renouvelé, etc. On est obligé de rouler à 60, etc. À tel endroit, il y a un caténaire qui a été accroché, comment, par un camion, il était par terre, tu vois. C'est un choix de société. On voit bien que la société américaine, qui, elle, mise tout sur pas de services publics ou très peu de services publics. Par contre, elle est dans la panade complète en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, on ne sait pas comment ça va tourner, mais ça risque de tourner vinaigre. Et entre-temps, on a la solution qui nous est donnée par leur grand timonier à eux, qui est de balancer de la javel dans la tronche des gens. Hein. Donc, il a dit après qu'il s'était trompé. Tu vois, ah, oui, quelqu'un a dû lui dire, attends, chef, ça va pas. Bon. Je ne sais pas qui a osé lui dire, d'ailleurs. Mais rassure-toi, Jean-Louis, le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, demande un moratoire sur la préparation de nouvelles dispositions énergétiques et environnementales datant du 10 février. C'est une lutte contre le gaspillage qui n'aura pas lieu, reprise de l'économie oblige. Motivé par de nombreux médecins qui veulent éviter l'acharnement thérapeutique et les souffrances inutiles, et motivé par la crainte de manque de lits pour les malades plus jeunes, une circulaire du ministère de la Santé a peut-être aggravé le bilan pour les vieux en limitant l'accès en réa des personnes les plus fragiles. Les chiffres pour les plus de 80 ans sont assez parlants. Hein, le canard enchaîné vous donnera les chiffres. Dans certaines EHPAD, qui en privé fonctionnent avec 20% de personnel en moins, actionnaires oblige, des pensionnaires sont morts de déshydratation suite au confinement. Dans ses offensives libérales, Trump a cassé le peu de services de santé américains. Résultat, avant le virus, 28 millions d'Américains n'avaient pas accès à la santé. Aujourd'hui, en plus, il y a 17 millions de nouveaux chômeurs qui bénéficiaient autrefois de la couverture grâce à leur emploi. Bientôt 80 ans qu'il y a eu Vichy, mais... Il y en a certains qui s'en souviennent. À Montereau-Faux-Yonne, dans la Seine-et-Marne, le maire James Chéron, UDI, a lancé un appel à la délation via le journal municipal pour aider les forces de l'ordre à faire respecter le confinement. Dans certaines grandes villes, 70% des appels d'urgence concernent des dénonciations de joggeurs, d'enfants qui jouent au foot, même une mémé qui a rendu visite à son mari à la fenêtre de son EHPAD et lui a écrit des messages sur une ardoise. Oh, scandaleux. Au Vietnam, ils n'ont que 300 contaminés sur 94 millions d'habitants. Mais eux, au moins, ils ont un strict quadrillage de la société et une surveillance de la population par la police et des cellules du parti, avec une politique de dénonciation publique. Vichy forever. Bruno Le Maire, très martial, a dit ne plus vouloir verser d'aide publique aux sociétés françaises présentes dans les paradis fiscaux. Puis il s'est repris dans un tweet en disant qu'évidemment cela ne concernait que ceux qui sont dans l'économie réelle. Enfin bon, tout est négociable. Dans le même cadre, Macron nous a dit dans Le Monde le 19 avril « Il faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle, technologique française et plus d'autonomie stratégique pour l'Europe. » Pourquoi ? Tout ça, ça ne marche pas ? Mais qui c'est qui est au pouvoir ? Un flic de la sécurité publique de Seine-Maritime a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et 600 euros pour avoir volé et vendu des masques destinés à l'hôpital de Rouen. Ah, les forces de l'ordre ! Je laisse le mot de la fin à Jean-Claude. Bon courage, on lâche rien, tous ensemble. On commence à voir le bout de la crise sanitaire entre orange et vert.
Mais la crise économique s'annonce avec la possibilité d'un écroulement de l'emploi si on ne trouve pas de solution innovante au niveau social et monétaire. Car la crise est sans précédent. On ne pourra pas s'en sortir avec business as usual, car tout le monde a morflé et se charge chacun pour soi au niveau des économies, comme l'a déjà montré l'Union européenne. On a vu déjà le gouvernement s'apprêter à balancer des milliards pour Air France, Peugeot, Renault, etc., et tous les monstres du CAC 40. Seul le recours au collectif et à la solidarité pourront imposer des mesures innovantes au niveau des communes, départements, régions. Il nous faudra réinventer le CNR, Conseil national de la résistance, et nous serrer les coudes, car on ne pourra pas compter sur des guignols, genre Le Maire, Darmanin, Macron, pour penser à notre place. Jamais le sens des mots, du local au global, et tous ensemble, n'auront pris autant de sens. Salut les fraternités, citoyens.